Et coucou, 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 les petits poulets, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait du Trine 4, cette fois-ci dans la beauté la plus extrême. Enfin, dans la beauté la plus extrême. J'aurais pu balancer, je peux enfin balancer la 1080p, alléluia. Mais pour le bien du stream, je ne balance que du. Que de la 720p. Et donc, il n'y aura plus de lag. Ce sera joli comme tout. Ça tourne entre 40 et 60 FPS. Très joli pour l'œil. Très croustillant pour les oreilles. Magnifiquement. Un repos parfait pour les neurones. Un chill time. Délicieux, ce jeu est vraiment un délice. Si vous voulez, enfin, n'hésitez pas à prendre toute la collection. Parce que même le 3, s'il a été, je trouve pour ma part, c'est qu'un avis subjectif, il a été vraiment taclé. Il a été vraiment taclé tout ça parce qu'il s'est mis en mode 2D, enfin en mode 3D en fait, une espèce de mode 3D. Je vais vérifier sur le retour tout de suite si ma voix, si on m'entend pas plus. Allô, allô. Voilà. J'ai pas allumé mon. J'aurais dû allumer ma tablette. Je l'ai pas fait, j'avais la flemme. Juste vérifier si on s'entend bien. Allô Twitch? Tu te réveilles? Qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un SMS! Je vais vérifier sur le. Excusez-moi. On va voir cette qualité. Ça fait du bien. Ah, je vous jure, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais pouvoir pomper les lives à toute patate et en faire du coup beaucoup plus. Bon, du coup, faut pas hésiter à partager. Hein, ça va. Test, 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 test. Ah, je vais même le mettre à 60. Ce chat fou. Voilà, parfait. Désolé du coup, parce que voilà. Manette, allô? Ah mince, je repasse pas sur le jeu. Hop là. C'est risqué de pas le faire. Le curseur, ça dégage. Merci, on continue. Le jardin Flavescent. Les héros repartirent à la poursuite du prince du cauchemar, mais la piste s'estompait de plus en plus et toujours pas de prince en vue. À la lueur des derniers rayons de soleil de la matinée, nos héros parvinrent dans un bosquet de bouleaux dont la paix était troublée par de nouveaux cauchemars.
Alors, est-ce qu'on avait fait... oui, c'est bon. Le niveau du blaireau, le blaireau. Là, on avait tout fait aussi. Parfait. Et là, on va avoir le dernier colis fiché, je crois. Apparemment, il y a une otarie. C'est parti. Par contre, sans étoile. Ça sent le nouveau skill. Les héros suivirent le conseil du hérisson et empruntèrent un sentier qui les mènerait au lac du Nord. Le prince demeurait introuvable, et pourtant on aurait dit que son influence s'étendait sur toute la forêt. Partout où nos héros poursuivaient le prince, les cauchemars des créatures de la forêt prenaient vie. En vrai, je crois que je vais la télécharger, la BO. Je vais la trouver dans le fichier du jeu. On est bien, regardez-moi ça, c'est beau, et c'est du 60 FPS, ça tourne, c'est beau. On a un petit lag musical. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ça fait du bien. Alors, là on tourne pas, je vais le rebaisser un peu. Ah ouais, c'est avec l'encodage du coup. Ça, j'avais baissé l'échelle. Mais bon, ça reste super agréable. Ah, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. On va plonger. J'ai des trucs un petit peu sous l'eau. Une goutte. Avec une goutte. Oh, une bête féroce. Oh, quel animal adorable. Ce phoque est aussi dangereux que je suis fragile. C'est un phoque, ce n'est pas une otarie. Alors, on va prendre... Oh, bon, on peut prendre le... Hop là. Le mage. Ah, pas d'amélioration disponible. J'en ai deux. Et c'est parfait pour l'écrasement polaire. Ah, je pensais que ce serait plus gros. Il y a un cooldown en plus. Le cooldown est assez long, je trouve. La pomme de pin, excellent. Mince. La flèche de feu pour activer les interrupteurs de feu. Ah! Par contre, est-ce qu'on peut cramer ça? Non. D'accord, alors nouvelle sorte d'interrupteur, la flèche de fer. Ok. Ah, il y a encore de l'eau. Ah, qu'on le mette comme ça plutôt. Voilà. Comme ça.
qu'on peut pas passer en dessous là? Oh, j'ai l'impression qu'on peut. Ah mais il y avait juste à faire ça en fait. Je me suis pas la tête pour rien. Ah non, on ne peut pas. D'accord. Oh là, on peut monter. On peut monter là-bas. Rassure-moi. Ne me fais pas des désillusions. Non, je crois pas qu'on puisse en fait. Je ne crois pas qu'on puisse. Non. Quand je saute sur le bûcher, c'est beau. Attends, parce qu'il y a un truc, j'ai vu. Hop là, ici on peut monter. Tu vois, Amadeus, il ne t'a pas gobé en fin de compte. Certes, mais quel moyen de locomotion indigne. Pas plus que rebondir sur des champignons géants et je ne t'ai jamais entendu te plaindre. Les champignons n'ont pas de dents. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose dans l'eau? Non. Voilà. Tac. On peut passer tranquille. C'est vraiment cool. Là par contre. Hey. On se calmer tout de suite. Ah, je ne peux pas passer. J'ai une idée. Pas la bonne flèche. Voilà. Grosse bébule. Hop là, oh, il y a un truc qui est cassé là-haut. On va invoquer une bouboule. Ah! Ah oui, forcément. Voilà. On peut faire ça aussi. Est-ce qu'on descend? Ouais. Toujours chercher un peu avant. On pourrait très bien passer à l'arrache. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà.
Ça passe de justesse. Et voilà. On stoppe la roue. Et hop là. Oh là, il m'a mis cher. Dis donc. Une étendue d'eau paisible, le soleil haut dans le ciel. Quelle belle journée pour chercher un prince perdu. La bébule, hein, bien évidemment. Toujours. Voilà. Oh, une sirène. Cool. Voilà, ça va être tout bête. Tu veux pas congeler le petit bout d'eau qu'il y a là? Oh là là, c'est embêtant. Cette manette est chiante, franchement. Bon, attendez, on va rester comme ça. Voilà. Tranquillou, tranquillou. J'ai l'impression que je peux monter là-haut. C'est même pas qu'une impression. C'est carrément quelque chose. Ah, attends, on va faire ça. Comment on fait déjà? Comme ça. Ok. Le petit changement de personnage en cours de route là. C'est beau, c'est beau, c'est du tout de beauté. Alors là, on va devoir utiliser Pontius, mettre de l'eau à gauche. Mettre de l'eau à droite. J'ai trouvé le globe. Bah voilà le colifiche. Le dernier colifiche qui me manquait. Bon allez, descend. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que je fais?
Hop là. Merci, messire Phoque. Hop là. Ça, c'est beau. On va descendre d'abord. Toujours. Il n'y a rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-haut. J'ai un anneau là. Mais je peux pas le... Ah, il y avait une branche. Oh, ça sent le truc caché là-haut là. Ah mais non, même pas. Donc là, il nous faudrait quelqu'un, ou non, plutôt, comment pourrais-je faire? Ok, j'ai compris. On va lâcher du mot. Ça pue là ce que je fais. Ça pue, ça pue, ça pue. Mince, comment je pourrais faire? Bon, je pense que c'est bien comme ça, mais... Ou alors je la congèle. Gèle tout simplement. Non, retourne là, toi. Non, mince, il va pas. Ah bah oui, il y a le... Forcément. Je bloque ça là. Voilà. Comme ça, avec Pontius. Voilà, on est bien. Le petit doublé de la méga gougoute? Oui! Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Ah, ça m'a fait peur! Monstre oh non! Vicieux des profondeurs.
Une amélioration disponible, j'ai déjà tout acheté donc je peux pas acheter plus que ce que j'ai déjà. Ah, t'es obligé de descendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Il s'agit sans doute du cauchemar du phoque. Aidons-le. Tout simplement, ça va pas être plus compliqué que ça. Hop. Oh, ça ne lui a pas fait plaisir. Nous n'avons encore jamais rencontré de tels cauchemars. Cela signifie peut-être que nous nous rapprochons du prince. Ça me pousse. J'ai trouvé. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Tac. Je vais la mettre au l'eau. Bien, je la mets quelque part. Ah, faut que je la mette par là. Ok. Donc ensuite, on utilise lui. Alors, c'est pas censé faire ça, ce que je voulais faire à la base. Mais ça a l'air de marcher. C'est ça ce que je voulais faire. Aurait pu me donner des bubules, hein. Je peux invoquer la planche avec Amadeus maintenant. Lancer horizontal. Amadeus peut projeter horizontalement des objets. Tant ses compagnons ont appris à se méfier. Ah d'accord, c'est sympa. Ça c'est pratique. Par contre, il y a un petit. Il faudrait deux planches du coup. Attends, comment je vais faire là?
Ah, peut-être que je mette un cube avant. Je mets un cube là. Alors, ensuite, je mets une planche. Et voilà. Avez-vous trouvé le prince Célius? Assurez-vous qu'il porte toujours son talisman onirique sur lui. C'est de la plus haute importance. Je crois qu'il a un peu lâché son talisman onirique, donc il l'a un peu cassé. Bien évidemment, récupérer les bubules. Les bubules, c'est passé de Gougout à bubule. J'ai vu la sirène au loin là qui est passée. À quoi peut bien me servir ça? Pas monter, c'est sûr, mais je veux dire, voilà, j'en ai marre. mage. Non, c'est pas la planche que je voulais. Ça va être un petit peu loin, je pense. Ouais, c'est un peu loin. Ça flotte pas, ça? Ça flotte pas. Technique, hein. Attends, on va faire pop une bouboule. Mais c'est ton chef! Mais oui! Est-ce qu'on peut aller en bas à droite? Non. Au secours! Au secours! comment je fais là? Hop là. Tout simplement. Merci encore, messire Fock. Bien qu'il fût monnaie courante pour les aventuriers de rencontrer des créatures magiques qui leur permettaient de rebondir et de conquérir les plus hautes falaises, la plupart des phoques n'étaient pas et ne sont pas tout aussi magiques. En fait, un jeune aventurier doté de bon sens se retiendrait en temps normal de sauter sur des animaux sans défense. Attends, je comprends pas là. Que je prenne le mage, que je mette une planche sans doute.
Non. Tarsus. Voilà. Là-haut, est-ce que ça sent pas le secret? Non. En bas, est-ce que ça sent la mort? Oui. Oh là là, le cri. Oh! Ah oui, mais il tourne dans le mauvais sens. Allez! Quand je défonce l'arbre. Est-ce que ça sent la mort en bas? Oui. Oh, ce petit écureuil, il est trop mignon. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a partout. Plutch. Ah, c'était juste pour voir. Non. On veut la planche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est de toute beauté! Ouais, quelque chose là-haut. On va faire ça. C'était juste une méga bébule. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Ça me paraît suspect. Non, le doute. Non, il n'y a rien. On va voir en bas. Peut-être aller voir en bas. Sans mourir cette fois. Ah, regarde la grosse bulle. Et regarde le petit passage sucré. Ça va être tout bête. Voilà. Ensuite, on prend le mage. Et. Planche.
Ah oui. Un petit souci là. Comment je vais faire pour passer? Je crois que ça passe ça. Oh, ça tient. Ah bah merde. Ah oui, mais moi je passe pas par contre. Merde. Je pourrais peut-être la baisser un peu. Ok. Point trop d'infos et on passe. Ah, le coffre, j'avais pas vu. Rentrer le navire dedans. Et on a du coup une nouvelle lettre. Il nous en manque 6. Trésor, il nous en manque 6 aussi. Et l'école fichée, on a. Qu'est-ce que c'est? Ah, un globe. Tentative de cartographie assez peu fiable. J'ai débloqué une nouvelle clé dans le menu principal. Oui. Il me restera 2 clés à avoir, la balançoire et l'armoire d'archiviste. Ça ramène un petit peu. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Alors, petit combat, mini combat, je dirais même. Alors on peut directement tirer. Ah bah non, il y a l'eau. Ah! Ah! Ah mais je sais, on en invoque une autre qui fait comme ça et ensuite on se met là. Et voilà, tout bête. Oh, la vue est incroyable d'ici. Il n'y a pas de traces du prince? Je ne le vois nulle part en bas. Il ne nous reste plus qu'à monter sur cette colline. Oula. Doucement. Je vais regarder en bas, c'est quelque chose. Y'a rien. C'est très chatoyant. Ah, je peux m'agripper là-dessus? Ah oui, bien évidemment.
J'aurais pu faire autrement. J'aime le grappin. C'est le Batman caché qui est en moi. Oh putain, c'est beau. C'est magnifique. Votre magie débridée a submergé la forêt de cauchemars. À moins que vous ayez l'intention de vous enfouir sous une montagne, vous ne serez en sécurité nulle part ici. Votre Altesse, vous n'avez pas le choix. Vous devez nous suivre. Voyons quels autres cauchemars sont cachés dans vos cœurs. Que craignez-vous, Sire Chevalier ? Sire Pontius, c'est un escroc ! Il ne serait même pas chevalier si ce n'est pour les pouvoirs magiques qu'il a reçus par accident. Reprenons sa cape et montrons-leur, à lui et ses amis, leur véritable place dans la frange. Combat. Let's fight alone. Ok. Non, oh, attendez. Cool. Vous êtes mes amis. Ah, je sais. Allez, qui d'autre là? Qui d'autre? Ah non, faut que je leur envoie des bouboules. Faites que ma vie remonte. Vous oui, merci. Vous ne pouvez pas me voler ma cape ainsi. Allez, vas-y. Allez, 3 contre 1. Je vous prends tous. J'ai trop loin. Ici c'est parfait là. Hop là. Petite esquive. Ah voilà, ce boss était cool. Simple et efficace. Ça c'est bien. Oh. Oh. Vous savez, il n'est plus question de sauver un prince. Célius devient un être maléfique. Et vous savez ce qu'on fait aux êtres maléfiques. On les bute ! Si le prince ne peut être sauvé, nous devrons le combattre. Ce qui n'était au départ qu'une simple quête à la recherche d'un prince disparu s'apprêtait à devenir un récit bien plus sombre. Ébranlés par leur dernière rencontre avec Célius, nos héros reprirent leur poursuite acharnée à travers les étendues sauvages. Mais la nuit approchait, et ils ne trouvaient aucune trace de Célius. Nos héros se retrouvèrent bientôt totalement perdus. On va voir si on a tout fait. Oh, 100% dis donc. Du premier coup. Ça, c'est cool. Allez. Alors, je coupe pour la VOD. Donc, pour tous ceux qui regardent sur Twitch, je vous dis bon visionnage. Des bisous. Et, je reprends le... Je relance de suite. À tout de suite. Pour le Twitch.